Quelle belle surprise que le Sud. Bienvenue à bord du Peugeot P4 qui nous est prêté par Rémi pour faire un truc un peu exceptionnel. Un petit tour de salon que je vous invite à découvrir en même temps que moi. Alors, on était près de Brignoles sur un circuit mythique parce que c'est un circuit Michelin. Regarde-moi ça si c'est pas joli. On a une voiture de rêve, des exposants en or. Bonjour la princesse. Et on va s'offrir le luxe, évidemment, en toute sécurité, d'un petit moment de foule. On va essayer de pas se les faire. Regardez-moi tous ces visiteurs qu'on doit faire déplacer. Merci beaucoup. Allez, petit tour de salon, c'est gratuit. Ottaviani et fils, ils nous ont fait un banquet, un festin, c'était incroyable. On a des partenaires fidèles depuis la première date. Regarde, de l'autre côté, Michalak, d'ailleurs, que je remercie, Sani, Grandveld. Salut les amis. Les gens peuvent essayer les poids lourds en conditions réelles d'utilisation, approche chantier, type carrière. Des zones de démo de plus en plus grandes. Un accueil du Sud avec des exposants vraiment en or. Des gens adorables qui ont vraiment joué le jeu. Ils se sont tous relancés les uns les autres et les gens y sont venus. Donc merci à eux tous de s'être déplacés en masse. On avait 1200 inscrits aujourd'hui, 900 hier. Merci encore une fois aux exposants donc qui ont vraiment relancé, qui ont joué le jeu. Des parties dynamiques, je laisse admirer. Regarde derrière. Ça bouge dans tous les sens, c'est juste fantastique. Atelier, crible, concassage, petit matériel, gros matériel. Le site est splendide d'ailleurs, c'est une très belle trouvaille. Merci à tous ceux qui nous ont donné un vrai coup de main. On est très heureux d'être dans le Sud et on y reviendra, c'est sûr. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Heureusement qu'on a un vrai véhicule de l'armée préparé par Rémi. Il en fait tous les ans entre 40 et 100 et il pourra vous trouver celui de vos rêves, entièrement rénové, refait. Je vous emmène ici quand même sur la piste de démonstration des poids lourds que l'on propose à chaque fois pour que les gens qui veulent se faire une idée de à quoi ça sert et comment ça marche puissent le découvrir en vrai. Alors là, vous avez un Tombreau Rockback que l'on remercie d'ailleurs de venir pour cette première année qui a vraiment joué le jeu aussi. On est sur une partie où effectivement les gens peuvent faire du dynamique derrière. Alors je pourrais te présenter Alexia. Alexia qui devait ranger sa voiture et qui ne l'a pas fait. C'est ça, ça va, ça va. Mais regarde-moi ça si c'est pas beau. Ah, les gens sont pas mal sur les stands. On va encore arriver sur une partie dynamique du concessionnaire Takeshi local et Hydromec qui s'appelle PAC Avante. New Lock, un grand groupe français. En tout cas, on est ravis de vous faire faire ce petit tour qui montre vraiment l'envers du décor et les coulisses du Dick Tour. C'est quelque chose qu'on aime vraiment vous faire partager beaucoup sur les réseaux. C'est vraiment génial, j'adore. J'adore cette ambiance, ça sent la poussière, ça sent la bonne humeur, ça sent les affaires même, les gens travaillent. C'est pas que convivial, c'est aussi du business. Et ça, les gens l'ont bien compris. Donc merci à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui vont nous suivre encore plus. On les attend très très nombreux l'année prochaine. On se retrouve à Bastia pour une dernière aventure 2024. Le programme de 2025 sera dévoilé très vite. On vous attend tous très nombreux. On vous remercie tous ceux qui se mobilisent pour faire de ces événements en fait le succès qu'il est. Ce ne serait rien sans vous et sans eux. Merci à tous. Je vous fais le clap de fin et je vous dis avec une pointe d'émotion, merci le Sud. À bientôt à Bastia. Et n'oubliez pas que le Dick Tour, c'est ici. Qu'est-ce que vous savez ? Maintenant !